Ce son m'est familier. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours. C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, vaisseau, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez, il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Hé oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqués ici, on ne peut plus sortir. Oh, mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Trois narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long. Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ah, ça coince quelque part. Ah, ah. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du Gup C. Brise-glace activé. Pas même une fissure.